On voit des images de gens qui protestent, mais on n'a pas le gouvernement qui est là, qui écoute, qui négocie. Puis c'est nos droits sociaux qu'on est en train de perdre. Alors bon, austérité, c'est comme une espèce de jeu de domino, parce que l'austérité frappe un peu tout le monde. Pour nous, l'éducation populaire, l'austérité frappe d'abord la commission scolaire. C'est la même chose pour les écoles du quartier, de toute façon. Alors, la commission scolaire, qui est frappée par l'austérité, doit couper des millions. Nous, on est dans le trou. Elle ne peut plus nous donner. Alors voilà, je veux dire, cette année, pour la première année, le pavillon d'éducation communautaire, nous, ici, nous serons dans un déficit pour la première année, mais un gros déficit. Pourquoi? Parce qu'on a perdu les subventions de la commission scolaire qu'on avait depuis les 40 dernières années. Ici, là, c'est un endroit que je me sens bien au PEC parce que, bon, c'est dans mon quartier, c'est un endroit que j'ai du fun à venir ici. Le monde me salue, il y a comme... une belle chimie, puis on s'entraide beaucoup, il y a beaucoup de choses en action. C'est un endroit pour rencontrer des gens, stimulant, et puis il y a de l'aide, il y a de l'écoute, tu peux être moins seul, parce que c'est ça aussi, là, c'est pour contrer l'exclusion, l'isolement, la pauvreté, c'est pour ça. Ça a été fondé ici en 72 et par un comité de citoyens qui voulait lutter contre ça. Le moyen, c'est l'éducation. Ça soit par la formation ou par la pratique. Et dans un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve, où la moindre culture est nécessaire, où on en a besoin, si on coupe dans l'éducation populaire pour des milliers, parce qu'ici, on parle quand même de milliers de participants, juste ici au PEC, donc il y en a partout ailleurs. Donc, je crois que si on coupe pour ces milliers de personnes-là, de familles, qui retrouvent ici pratiquement la compréhension, de l'aide, de l'information aussi, c'est un milieu de vie qu'on coupe. Alors, l'éducation populaire, c'est plus encore nécessaire de nos jours que ça l'a jamais été. C'est décevant de voir qu'on est rendu là, qu'on coupe dans les services ou les endroits comme ici, que c'est des gens défavorisés, là. Je veux dire, c'est pas un endroit ici privé, là. C'est public, c'est pour aider la communauté. Et donc, c'est décevant de voir que il y a des endroits qui ont coupé là, du personnel, et j'aimerais pas qu'ils coupent du personnel ou qu'ils ferment ici à cause de l'austérité. Et l'austérité, c'est ça, l'austérité, moi en tout cas, je la dénonce. Parce que nous aussi, on n'a plus d'argent ici. On ne pourra plus prêter nos locaux à des groupes du quartier qui en ont besoin. On ne peut plus rien faire, je veux dire. Il faut couper, couper, couper. Le PEC, avec son conseil d'administration, a accepté, je veux dire, qu'on ne coupe pas des activités jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a pu se le permettre. On ne veut pas couper des postes. On a dit que ou bien on va tous se sauver ensemble, ou bien on va couler tout le monde ensemble. Alors voilà, pour le moment, on est à moitié coulé. On espère toujours, mais bon, l'espoir fait vivre, mais on peut couler aussi n'importe quand.